La flemme camera bouffe, si d'un. Et tomda, elle a tomda. La wani cabo, bebani tomda, yoa. Ya mamma fait tomda mini. Ya fi, ya foutu, ya ni, ya si si. Ya la, ya y est tout adéquat pour la casse. Ya, ben, ou le mettom d'anoua. Ya y a le bien. Baba, you are out to waka here, Trani. Baba, I feel a book camera. Yeah, I did a wobble or I open the back cry, yeah, Mahawa. Yeah, Mahawa, yeah, Matewa. Femme et fille à ma Thérèse. Et fille à mon foutu. Yé, va-t'en, n'a sa calculo. Yé, tremble de l'air, ben 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 Bacabaca, I want you back out, back out, tumda, tumda. You ever fall pretty cruner, tumda. Je m'appelle Porgo Awa. Ma maman est baoulé, mon père est aussi. Donc, je suis la femme du chef de Burkinabé de Tomdano. Nous vivons en parfaite harmonie avec les villageois. Mm-hmm. Mon mari, lui, est venu il y a longtemps, mais moi, je suis venu il n'y a pas longtemps, mais un peu longtemps. Donc, c'est parce qu'on est bien ici. On vague à nos préoccupations, personne ne nous gêne, donc on est bien ici. On est comme si nous sommes chez nous, quoi. Ah, c'est ça. Cassier de Cumbrino. Comme la noix, quand on a un mot beau de babo, il y a un coup de cœur avec un de la foule, le bébé, le sang cacou. Dès qu'on va y aller, il y a un mot canon. Non, c'est du menu, il y a un bambé jaoura. À Hong Kong, il y a un bambé frère, un bébé de bien. Le bambe diable, le bambe blanc, le wabinia. Le basson son cadre. D'abord, le basson son cadre, on a été dans le camp, on a été tombé en main. Le bébé sacré, nous faisons un bébé à mort, on a été tombé en main.
quand on dit à mort, il a offert le coup de main. Midi, je suis Kamala. Je suis Tomindenu. J'apporte mon grain au développement de Tomindenu, au niveau de l'école, au niveau de la gestion des ouvrages hydrauliques. Je veux parler des pompes qui nous fournissent de l'eau. Je suis venu à me déplanter. Quand je suis venu à me déplanter, je suis venu à me déplanter. 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 Je suis venu à me Je suis venu à Moros à Frankis en Kakuru. Avec un avec Cherry. De Nakon, Otra, Bolimok, pas, le Goli. Otra, la Otra, et Nakon. Begridan. Y a un, quoi, y a. Bon, le commission, allez, il y a un dama, Jasso, à Nembatras, non. Y a un Jasso, là. Y a un, allez. Que va y avoir un verre son, du tout, et un abattre, non. Par accord, encore, Tomida. Il y a un Tomida, ma. Il y a un Tomida, nous. Non, bon, ma. Il y a un travail, et bon, nous. Bon, comme le vieux le dit, il s'est présenté. Voilà. Moi, c'est Kamina Begré Joseph, vice-président de la jeunesse de Tomida. Par rapport à ce que vieux a dit, il en revient que tous qui sommes ici, habitants de Tomindanu, nous sommes d'arriver d'un village appelé Aounianfoutou, où nous étions avec les gens de Menou, Awanou 1, Bediakro et j'en passe. Et comme ils étaient tous entassés là-bas, alors les uns et les autres se sont dit, bon, il faut qu'on se détache. C'est ainsi qu'en venant, on va trouver Awanou 1, le Diakro, Menou, Mokro et qu'on soit jusqu'à arriver à Tiemelikro. Et on a demandé à venir habiter ici. Mais avant d'y arriver dans ce village où nous sommes, nous étions là-bas, dans un premier village appelé Nguessankakro. Les gens vivaient en paix là-bas. Et un beau jour, un lion a surgi et a commencé à tuer les gens. Ils ont même fait venir un féticheur. Avant, c'était le fétichisme. Qui leur a dit, si vous ne quittez pas ce village, vous allez tous mourir. Et c'est ainsi qu'ils se sont levés, avec à leur tête un nana sang. Oui, qui est même venu créer un autre village quelque part là, Isankadjoukro. Et c'est de là qu'ils sont arrivés ici. Et en arrivant ici, il y avait un bois, sinon des bois au nom de Tomida. Tomida, c'est un bois. Et comme il y avait beaucoup, donc ils ont dit Tomida Ma, c'est-à-dire les enfants de Tomida et Tomida nous. Donc c'est ainsi que ce nom est resté définitif au village. Bon, ben, frère, mien a fini ça. On était édifié. Tomdanou, voyez, et Ali, voyez, qu'un de vrai. Ali, il y a une moyenne sonne, à boisson, à bon groupe, à moi, bon, blé. Il y a quoi, il y a 34, 30, Ani, Ani, ni Baoulé, Bafien. Il y a Baoulé, moi, du joyeux,
ya kayi kre ya ni makabu ya badia baure ya be bisa ya ke amode amanyide mu amofini amofini ya be ari ni be pelke amofini ari amofini amohari ni fa boye matie amode amotia ni so ifafa kwa tunyo kebe kanisa. Il y a plusieurs sortes d'agni. Il y a l'agni amantien, il y a l'agni qui est le sawa, il y en a beaucoup. Mais nous, l'agni à Ali est resté à la limite des agnis et des baoulis. Donc quand le baoulé parle, nous entendons bien. Quand même bien qu'il nous parle en baoulé, mais on réussit à lui répondre en agni. De même pour les autres agnis, quand ils parlent, on réussit aussi à répondre à ce qu'ils nous demandent. Donc, les gens se sont posé la question, mais vous, vous êtes agnis, mais vous êtes resté où? Et puis vous comprenez toutes ces langues-là. Ce qui veut dire en agni, « Amohari ni, botie ma moti aniengba ni. » Parce que l'agni, amantien va venir, vous pouvez parler avec lui. Le baoulé vient, vous pouvez. Donc, nous sommes restés à la lisière des agnis et des baoulés. C'est ce qui fait que le zi fait à limite, le zi est la limite entre les agnis, à Ali et les baoulés. Mais avec l'arrivée des blancs colonisateurs qui nous ont enseigné l'église, aujourd'hui, à Tomidano, il y a la religion catholique, il y a la religion d'Eima, il y a les protestants. Et bien sûr, le fétichisme existe encore, parce que c'est une pratique ancienne. Alors, nos aïeux sont passés par là pour que le village tienne, parce qu'avant, vraiment, il y avait beaucoup de choses qui étaient passées. Nous, on n'était pas encore nés. Mais dans l'histoire, comme on le dit, peut-être c'est grâce à ça que ce village-là encore tient. Voilà, donc voici les différentes religions qui sont à Tomidano. Il y a les musulmans aussi. Au niveau du village, c'est l'école. Rien que l'école. Voilà. Il n'y a pas d'autres infrastructures ici. Voilà. Sinon nous, à notre niveau, nous sommes des paysans. Hein. Voilà, c'est les cultures. Voilà. Sinon, dire que trouver un bureau quelque part où quelqu'un y est, si ce n'est pas à l'école. Maintenant, si on a un centre de santé, au lieu d'aller à Timlikoro, c'est vrai, ici, malade, il faut parcourir 9 km pour arriver à Timlikoro, ou bien 15 km pour arriver à Dimbokoro. Le tour de 15 heures. Bon. Bon, quand je veux parler de 15, ça c'est d'ici au pont où hier vous êtes passé là. Mais de l'autre côté, ça fait, je crois, 32 kilomètres. Bon, si ta vie n'y est pas, tu vas trépasser. Même pour des accouchements, tout ça c'est difficile. Côté école, l'école même, il y a trop d'anomalies là-bas, il y a trop de... L'école même est fatiguée. Maintenant, au niveau du village aussi, vous voyez, comme vous l'avez signalé, il y a l'électrification rurale. Mais au niveau des maisons, nous vivons dans le noir. Donc nous demandons à l'État de nous apporter nos compteurs. Pour que chacun, en entrant chez lui, puisse trouver la lumière. Oui, au niveau du village aussi, vous avez remarqué depuis hier, peut-être que vous n'avez pas pu émettre des appels. Voilà, il y a ce problème de réseau qui ne nous couvre pas. Malgré l'antenne qui est plantée là, mais le réseau ne nous couvre pas. On n'arrive même pas à joindre l'extérieur. Et là, c'est un problème très, très, très difficile pour nous. Ouais. Il y a nos pompes aussi, voilà, qui souvent tombent beaucoup en panne. Beaucoup en panne même. Donc, vraiment, nous demandons à l'État de nous aider. Oui, là, pour que les femmes souffrent moins parce que quand il n'y a pas d'eau ici, on est obligé d'aller à quelques kilomètres pour trouver l'eau. Et cela fatigue beaucoup nos femmes. Il y a le transport aussi.
on n'a pas de voiture de liaison Tomidanou, Timbokro, Tomidanou, Tiemlekro. C'est un particulier qui vient nous aider, mais il ne vient que les mardis. Soit c'est pour venir chercher nos femmes et aller au marché. Et le plus souvent, c'est pathétique parce qu'il y a souvent des accidents. Donc vraiment, nous demandons à ce que l'État nous aide. Et vous avez vu aussi la voie. Hier, quand vous veniez, vous avez vu, il y a l'autre voie qui est là même. Peut-être que c'est fermé. C'est nous, à notre niveau, nous nettoyons les abords pour qu'on puisse voir devant. Le village fait partie de la commune de Tiemlekro. Nous sommes à 9 km de Tiemlekro. Depuis 1998, nous manquons d'enseignants ici. Les logements maîtres ne sont pas au complet parce que si aujourd'hui on nous affecte 6 instituteurs ici, ça va poser problème. Donc que l'État nous aide à avoir des logements maîtres et que vraiment chacun, le maître qui arrive se sente à l'aise. Voilà, il arrive là, sa maison, il est dedans, il peut faire, quand il est content, il peut travailler. Mais s'il arrive qu'il n'a pas de logement, tout de suite, il sera réaffecté. Voilà, donc tous ces problèmes-là sont là. Depuis la rentrée, on n'a pas d'instituteur pour le CP1. Voilà, les enfants vont, mais ils sont obligés de revenir à la maison parce que... Donc vraiment que l'État nous aide à trouver des maîtres. Le directeur même serait là, il serait mieux placé pour vous donner plus d'informations. Les cultures pratiquées ici, c'est le cacao, le café, il y a le riz, le maïs, l'igname, le manioc. Maintenant, les vivriers, les aubergines, gombo. Bon, il y a de l'EVA, il y a du palmier à huile. Il y a des gens qui aiment ça. Voilà. Donc, pratiquement, il y a un peu de tout ici, même pour évacuer. C'est pour cela que je vous dis, pour évacuer ça au marché, c'est un problème. C'est ce que j'avais signalé tout à l'heure. Des fois même, bon, le camion ne vient pas. Les femmes sont vouées à elles-mêmes. Soit ces vivriers-là pourrissent ici. Ou bien avant d'arriver à Dimbokro, c'est pourri, donc les gens sont obligés de prendre au prix auquel nos femmes la veulent. Voilà. La femme cassée du coup Bruno. Notre catéchisme, Tom Danou, 1955. J'ai commencé une question là. 58, le 14 août, j'ai eu un baptême. J'ai fait le catéchisme de Clan, de mon grand con. J'ai eu ma mort. J'ai eu un bébé. J'ai mis de cœur. Que travaille mon grand-oncle, Anne, bien qu'au bout quand même, nana et fille, Anne, voyez, comme il y a tout là. C'est comme le dire. Naya, à son lieu, Bourbo, à Thiers. Sangue, t'es fadé de Yesuao, Sikao, Yambié, Clunsecon. Yawan Babokai, y'a tant que la monnaie Babokai. Suao, voyez, Boubou. Oui, oui, je suis là. 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 Parlant de religion, comme on a dit, il s'est présenté, c'est M. Kassi Edoukoum Bruno. Il est le chef. Il est catéchiste, le catéchiste de Tomidanou depuis 1958. Le 14 août de cette même année, il a eu son baptême. Tant bien que l'église a été créée en 1955.
Il est maître de chœur, il a dirigé l'église durant toutes ces années. Il est vieux, comme il le dit, il est fatigué, il s'est fait remplacer. Il y a beaucoup de ses frères et fils qui l'aident. Et l'église aussi, au moment où l'on créait l'église, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Il n'y avait pas beaucoup. Donc il demande à ce que non seulement la population, mais aussi l'État l'aide pour que l'église soit reconstruite, elle soit rebâtie grande, parce que vraiment il y a beaucoup de chrétiens maintenant. Et il a été décoré même à Yamsoukra, à la basilique, avec les amis qu'il a cités, Athanase Angaman, Atumbré et bien d'autres. Il y a beaucoup d'entre eux qui ne sont plus. Il ne reste que lui et le doyen Athanase qui est à Menou. Bon, nous avons un marché construit par le projet FRA. Et là, c'était au temps du premier maire de la commune, M. Kadjané Abo Théodore. C'est sous lui qu'on a pu avoir ce marché. Mais c'est un marché qui fonctionne par rapport aux femmes du village, puisqu'il n'y a pas de jour de marché type. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de voiture de liaison. Donc, il n'y a pas de jour de marché type en tant que tel. Donc ça ne fonctionne que grâce aux femmes du village qui vendent soit de la tiki, du poisson, un peu d'aubergine, un peu de gombo. Les matins, et vers 10h, bon, tout le monde est parti. Donc ce n'est pas un marché en tant que tel qui fonctionne comme les autres marchés. Les danses en tant que tel, bon, il y a... Il y a le grolo. Comme les gens l'appellent. Oui, c'est une danse de réjouissance qui nous permet au moins de nous égayer un peu. Mais bon, il y a longtemps, les gens le font rarement. Oui, nos femmes n'ont plus cette voix d'antan. Mais n'empêche, ils essaient, ils sont en train de réveiller ça un peu. Voilà, et il y a la josse aussi dont l'un même des piliers est là. Qui lui aussi, de temps en temps, nous fait vivre certaines joies. Mais pas forcément dans les funérailles, mais souvent, les soirs, il fait appeler ses chantres, ils viennent, bon, ils égayent un peu, et puis bon, on se sépare. Sinon, bon, il n'y a pas beaucoup de danse ici. Donc, nous sommes en train de voir cela pour revaloriser cette partie culturelle-là. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour pouvoir créer les tam-tams, ce qui peut nous accompagner dans ces danses-là. Voilà. Là aussi, bon, on l'avait fait en son temps, mais bon, on a aussi de Tomidanou, merci, comme on le dirait. Mais bon, on est en train de voir, pour pouvoir reconstruire ce matériel qui nous permet de jouer. Voilà, pour qu'on puisse réveiller ces différentes danses-là. Voilà. Je disais que la Dios, le plus souvent, les chants sont en baoulé. Voilà, c'est une danse même, typiquement baoulé. Comme c'est une danse, voilà, puisque les autres ont vu et qu'ils ont aimé, donc ils ont crié en copiant sur le baoulé. Voilà, sinon c'est une danse typiquement baoulé. Voilà, nous, à notre niveau ici, ce que nous avons, que les grands-parents nous ont dit qu'il dansait ici, c'était la Baudin. Mais moi-même, où je suis là, il ne s'est pas exécuté un pas de danse. Il y a l'autre aussi, il y a un autre qu'on appelait Pendant. Voilà. Donc il y a le gros lot dont je parlais tout à l'heure. Ça même, je sais que là, on peut faire quelques pas. Voilà. Peut-être, comme vous l'avez dit, jusqu'au soir, on va voir les femmes. Il y a là l'un des batteurs même qui est là, ils sont là. Voilà, ils vont faire un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc c'est ce que je dis. Les autres dansent. Puisqu'il y a beaucoup de jeunes femmes comme de jeunes filles qui savent maintenant exécuter des pas de danse au son des tam-tam.
Donc, comme je le dis, on va voir ce côté-là pour vraiment, peut-être à votre prochaine visite, vous allez voir que il y a d'autres danses qui se sont ajoutées à la Dios et au Groulo. Mutuel, depuis sa création, nous avons été tous contents. Nous savons que c'est cette structure-là qui peut faire le développement du village. Eux-mêmes, en tant que fils du village, connaissent les problèmes. Et de temps en temps, quand ils arrivent aussi, tous les problèmes qui sont au village ici, nous leur donnons les informations. Mais maintenant, à leur niveau, je demanderais, sinon la population demande que tous les fils ressortissants de Tomidanou sur le territoire national qui font partie de la mutuelle se réunissent. Certes, ils font des réunions, mais il y a d'autres qui sont réticents. Vraiment, qu'ils se ressaisissent, parce que s'ils sont réticents, qu'ils ne viennent pas aux réunions, comment vont-ils asseoir quelque chose pour venir développer notre village? Parce que quand ils vont dans les autres villages, ils voient « Ah, le village tel est joli, le village tel est joli », mais c'est parce qu'ils sont unis. Ils s'asseyent tous les jours. Quand il y a une réunion, tout le monde est là. Alors, s'il y a un problème, mais on fait comment
pour gérer ce problème. Voilà ce que la population, par la voix du chef, est venue nous dire. On fait comment pour gérer le problème? Mais à mon sens, ils ne sont pas unis. Donc nous, au niveau du village, par la voix du chef, le chef demande que ses fils qui sont là-bas soient unis. Voilà, même s'il y a eu des rancœurs quelque part, qu'ils essaient d'enterrer cette hache de guerre-là, qu'ils s'unissent, voilà, pour que nous aussi, au village ici, bon, malgré nos maigres moyens, si on peut asseoir aussi quelque chose ici, s'il y a la force qui vient de là-bas, ou bien si la force part d'ici pour les frapper là-bas, je sais qu'ils peuvent aller loin en développant Tomidano. Vraiment, nous leur demandons cela. Vraiment, nous voulons qu'ils soient unis. Ouais. Ceux qui ont des trucs en cœur, qu'ils laissent tomber ça et qu'ils viennent aux réunions pour vraiment asseoir une vraie mutuelle qui puisse développer le village. Moro Kamina Jacques, je suis à Sébani. Je suis un peu plus de temps.